Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Défiance. On se retrouve pour notre assaut sur Chihuahua et le cartel nous avait préparé une petite surprise. On avait vu hein, qu'il y avait de... ça devait leur servir d'arène ici, mais visiblement ils ont des trucs fonctionnels, puis alors du char, c'est pas de l'araignée, hein, c'est du vénère. La bonne nouvelle c'est qu'on a plein de gens qui vont se faire massacrer ici. Nous, de notre côté, on va essayer de tenir. On a quand même un Bradley et un véhicule tow sur le coin, plus le... lui, là, qui va pouvoir essayer de faire des petits tirs par-dessus et de faire le taf. Alors, le problème, c'est que notre Humvee va se prendre un tir et va exploser. Hein, donc, du coup, il faut faire gaffe. Mais, ben... on a plus besoin de défendre ça, visiblement. On va quand même laisser le péon tout seul dedans, en cas de besoin. J'ai commencé à rapatrier ici... l'escouade ATGM, qui va probablement plus nous servir, on la fout dans le véhicule et on va tracer la route. On va tracer la route. Ici, du coup, tout le monde s'est barré, notre striker arrive, mais il se traîne un peu la bite. Je sais même pas où il est. Il est là. Bon, ça fait le taf. En termes de munitions, ici on a de l'AP éventuellement avec lui, on va peut-être se préparer à l'envoyer, mais je pense qu'il fera de toute façon moins le taf qu'un Bradley. Donc c'est parti, on enlève la pause. Ah, alors ça y est, on peut amener du monde. Non, on peut pas amener du monde. Ça, c'est pas nous, ça. Ah, il y a un mec ici qui marche dans la pampa. Il va se faire dépouiller. Ça serait pas mal qu'on ramène notre camion de ravitaillement, qui a encore un petit peu de quoi faire. Dans le coin, là. Recharger ça, parce qu'il a bientôt plus de munitions. Et recharger notre Bradley. Et je pense que ouais, on va ramener le char également. On va ramener le char pour tenir le flanc. Alors là, il nous envoie quoi? Une araignée, anti-char, putain, un char. Ça va piquer. Ça va piquer, ça va piquer. En termes de portée, là, il va falloir allumer dès qu'on a ce qu'il faut. Waouh. Oula, excusez-moi, il y a tout ça qui fait des bêtises. Tout est bon. Alors pourquoi ils tirent sur moi et pas sur mes alliés? Je ne sais pas. Bon, à la rigueur, c'est pas forcément plus mal de leur point de vue, mais ça va pas nous aider. Le machin, il tire et il arrache direct des morceaux de bâtiment. Hein. Vous allez pas servir à grand chose du coup. Donc en arrière, ça c'est pareil, c'est pas contre le véhicule, donc on va devoir laisser le petit hit tout seul là. Ah si, ils tirent sur eux quand même. Neutraliser les machines de Légion. Putain, il y en a un paquet en plus. Les machines se réveillent et nous attaquent. Ok, il va nous falloir du renfort. Du renfort, mais genre du bon renfort sur ce front, quoi. Là, on a chargé l'escouade ATGM. Venez me la décharger là-bas. Ah, puis en plus, il y a du connard, là. On leur a mis un petit missile, mais ça fait pas le taf. Attends. Ok, on a remis deux taux dans la mouille, ça calme un peu. Où est notre véhicule taux? Était beaucoup trop exposé. T'es carrément beaucoup trop exposé. Est-ce que vous, du coup, vous pourriez pas conduire ça? Histoire d'essayer de faire un peu mal. Ok, on a shooté... un peu de truc. Là, faut que vous vous concentriez là-dessus, là. C'est clairement eux qui font mal. Triomphe 2. Neutralisé ici, pourquoi? C'est eux qui font chier. Le camion de ravitaillement passe derrière. Vous, au sol. Et là, du coup, on n'a pas ce qu'il faut pour tirer, visiblement. Non, on a que deux mecs. Ah non, c'est vrai que c'est du fait efficace contre les véhicules, ça. On est moyennement... on a réussi à shooter le système de rechargement. Y'a quoi d'autre qui arrive? Un autre char qui arrive? Waouh, 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 la violence. Ça va être la violence. Là. Ok, ici déjà on peut tenir ce coin-là avec nos véhicules. C'est déjà ça.
Là, pareil. Là, on a du monde qui va un peu partout chercher, chercher ce qu'il faut. On a un petit, petit obus incendiaire, là. Ici, je pense qu'on va pouvoir gérer les mecs qui jouent au malin. Par contre, clairement, c'est ça qui me fait peur, là. Bon, l'avantage, c'est qu'ils s'approchent. Donc là, on va pouvoir se les faire au saut. Même si c'est pas hyper efficace. Excellent. Excellent. Qui c'est qui a fait ça? Aucun de vous deux n'est équipé pour faire ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais... Je prends. Ah, c'est eux. Parfait. Un petit Humvee allié qui arrive par derrière, là. C'est nickel. Un deuxième de gérer. Type de munitions épuisées ici. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, eux. Ok. Il faut que on prenne l'angle là. Shooter ça. Il nous reste 4 taux, mais il n'y a pas de fumigène ou quoi que ce soit, c'est parfait. Bon, la merde, on peut pas tirer. Nous avons trouvé ce véhicule anti-char. Ah putain, mais non, mais vous pouvez le garder, j'ai personne pour le conduire. Merde. Les gars, des renforts, vite. Ah merde, on a raté notre premier tir. Pas cool. Allez, il se rapproche là. Recharge. Taux. Feu. Une touche. Oh là, c'est tellement costaud. Vous, demi-tour. Ah, ils sont encore en train de réparer. Allez, recharge. Encore une touche. Ah putain. Ça pique. Les sauts. On n'a plus de sauts. La vache, la violence. Du coup, vous... C'est quoi ce truc par terre, là? Du RPG 7 à la con, ça. Ouais. Ça aussi. Ouais, c'est une M240, pas de problème. On est à sec, mais bon, au moins, on a un peu de munitions. Là, on va se déployer tant qu'à faire. Retaper un peu le char. On a détruit un de ses canons. On est commencé à être très proche de nous, là. Excellent. Excellent. Retourne faire le plein. Alors ça, c'est celui qui a un minigun de base. Donc on va sortir, on va prendre l'antito. Ça c'est pareil, on va te retaper ici, on rentre. Donc pour l'instant, notre seul objectif, c'est de défendre le dortoir. On va voir s'ils sont capables de faire des trucs. Oula. Ils ont encore du répondant, là. Clairement, c'est pas avec ça qu'ils vont faire grand-chose. Ça, c'est un tos, hein. J'ai cru voir que c'était lui qui tirait, à moins que ce soit des mecs dans le bâtiment qu'on n'a pas vu. C'est peut-être lui. Non, c'est un sniper, ça. On ne va pas y arriver, battez en retraite. Bah oui, là, vous y allez un peu à l'arrache. Là. Je tiens quand même à le dire. C'est un peu à l'arrache. On va se préparer du coup nous-mêmes pour un assaut. Vous pouvez venir par là. D'ailleurs, vous allez même embarquer dans ce striker. Ici, du coup. Il est tout seul, le mec. Merde. On va pas aller loin avec un mec tout seul, mais c'est pas grave. Pourquoi ils ont perdu des troupes là? Putain, je trouve qu'ils ont couru dans la... Ils ont couru dans le... Au milieu des tirs, j'ai pas fait gaffe. Je les ai envoyés jusqu'ici récupérer les véhicules un peu à l'arrache. Ah du coup, il n'y a plus d'autres véhicules à prendre à part le Bradley là. Ok, bah du coup, vous allez aller chercher ça. Et vous, bah vous servez pas à grand chose malheureusement, pas moyen de tirer. Immobilisé aussi. Un seul conducteur, tu peux pas conduire. C'est ballot.
Bon, c'est pas grave, à la limite, on les a pris, ça c'est déjà ça. Celui-là, il peut bouger. Va par là. Ah non, il est coincé, putain. Me disait, me paraissait bizarre aussi. Ok, c'est juste qu'ils sont coincés dans la... Ils font n'importe quoi, en fait. Ok. Là. Et toi. Là. Oula, c'est quoi les Armada Grande, là? J'aime pas trop le nom de ce truc. Très honnêtement. Est-ce qu'il nous reste suffisamment de munitions? Vous pouvez réparer, vous. Lui, il en est où, là? Il est à sec, ok, très bien. On va le recharger. Il y en a un autre là. On va aller chercher le nouveau. Ça, c'est quoi ça? Munition explosive à fragmentation. Ok, intéressant. J'aime pas trop le nom de ce qu'il est en train de préparer là. Le canon Armada Grande, le nom me plaît pas les masses. Vous pouvez pas aller dans ce bâtiment, vous? Bah, venez là. On va se préparer du coup à accueillir ça. Hop, tôt. Où est le Bradley? Il n'est pas mort mon Bradley, rassurez-moi. Non, ça c'est un tank. Enfin quoi que, on va quand même le placer par là. Mon Bradley. Il est là. Ah oui, je l'avais envoyé se recharger, c'est vrai. Bah du coup tu vas pas te recharger. On va tenir cette ligne. Toi, récupère ça. Vous, vous êtes... Ouais. D'accord, les ingénieurs doivent survivre. Ok, ils nous ont envoyé du renfort de techniciens. Fort bien. Bon, bon, là il faut qu'on se recharge, donc on va faire un point de rechargement ici. Toi tu viens là. Toi t'es plutôt en état, vous allez tenir le dortoir. Plutôt ici du coup. Vous avez fait le taf pour le moment. C'est quoi ça? Épée, bouclier. Bouclier, l'escouade, épée, mode offensif. Attends, épée, bouclier, ce sera très bien. On va tenir avec nos trucs, Plasmardinus et compagnie pour le moment. Ils sont pas trop équipés pour un assaut. Donc ce que je voulais faire, c'est que toi, viens ici, on va récupérer ce nouveau camion de ravitaillement. Et donc c'est ça les fameux canons, j'imagine. Il faut qu'on amène les mecs là-bas. Faire le tour par ici me paraît potentiellement plus long, mais plus logique. Les miliciens, là, je les avais envoyés là-bas. Putain, ils ont mis tellement de temps à descendre leur véhicule, là. Éliminer des commandants, on a 15 minutes pour gérer ça, mais ne passez pas par les tranchées, ils ont dit. Quelle tranchée? Je ne sais pas quelle tranchée. De toute façon, on va y aller avec du véhicule. Hein. On va prendre. On peut mettre des gens dans ça? Non, on peut pas mettre des gens là-dedans. On va récupérer des MV pas trop utiles, genre toi, ces miniguns. Ouais, c'est utile quand même. Les taux, ils vont nous servir. Bah tiens, un transport blindé. Parfait, 11 personnes. Excellent ça. Viens là. Vous, venez là. Ici au sol. On va se préparer éventuellement à une attaque. Même si pour le moment, ils ont l'air de pas trop y aller. Si ça tire quelque part. Ok, c'est eux qui lancent l'assaut. Très bien, il va falloir donc qu'on avance. Ah oui, il y a du renfort qui arrive. Parfait, il nous laisse pas totalement à poil. Du camion de ravitaillement, parfait.
ça me va, ici vous sortez. Hop, vous me prenez ce véhicule là. Ici, est-ce qu'ils sont enfin arrivés? Voilà, parfait. Non, là il y a toujours l'autre mec qui est coincé. Où est-ce qu'il est? Il arrive. Il est pas coincé, il arrive. Ça c'est juste un petit camion. Par là. C'est qui ces mecs? C'est eux, ok. Là, ça serait pas mal qu'on aille le récupérer quand même. Pareil pour eux. Enfin, quoique, ils empêchent une éventuelle contre-attaque. C'est pas si mal. Ça, c'est un tout petit Humvee avec une munition, pas de tourelle. Faudra qu'on fasse gaffe à celui-là. Il va rester peut-être en défense ici. Alors là, ça serait bien qu'on avance un peu plus. On va se prendre un risque en avançant jusque-là. Ouais, c'est loin quand même. Ok, on va avancer jusque-là avec les véhicules. Notre autre taux, elle a pu se recharger, donc on va avancer aussi. Et là, faut qu'on attende que le mec arrive. Ils ont rassemblé toutes les munitions. Ok, parfait. Bah, ça tombe bien. On va en avoir besoin un peu. Alors là, ça tire, là. Ah, il y a un foutu tank. Et on n'a plus trop ce qu'il faut ici pour gérer ça. Merde. Tac, tac, tac. Ah, il est trop loin. Merde. Ils vont se faire défoncer. Sortez, reculez. On va ponctionner une taux, allez, vas-y. Va nous shooter ça de côté en plus, tu seras parfait. J'aurais peut-être dû laisser les ATGM là-bas en fait, mais les chars m'ont fait paniquer là. On va prendre le transport blindé, il est où? Il y avait un autre, un transport blindé là. Ok, non, il est en bas. On va prendre le petit Humvee à la con. Vous, vous allez rester dans le coin. Rentrez là-dedans, rentrez là-dedans. Excellent, là, on est plutôt bien placé en défense, là. Ici, ça pue, par contre, mais... On va les faire reculer avec un peu de bol, ils arriveront à portée de ça, même si lui, du coup, est pas hyper bien placé pour se défendre contre ça. Ok, là on se déploie, on va recharger ces trucs là. Putain, on se fait défoncer ici, merde. En arrière. Il a une sacrée portée ce con, je pensais pas. On a un petit peu trop défait ce flanc là. Là normalement il est à portée là, ouais, parfait. En plus on le shoot de côté. Par contre, on a une portée un peu naze. Et notre striker, là, est un peu endommagé, on va dire. Le taux, il arrive. Ouais, il arrive. En plus, il a quand même une sacrée portée. Ça, c'est cool. Ici, on est enfin fonctionnel. Parfait. Ben, on va en profiter pour venir renforcer ce flanc. Parce que c'est un peu la galère. Alors là, on a plein de choses à faire partout. Hein. C'est... Waouh. Ok, là c'est bon, c'est rechargé. On va pouvoir essayer d'avancer je ne sais où. Par là, par exemple. Vous, grimpez là-dedans. On a perdu le conducteur ici. On n'arrive pas trop à s'en occuper. Si, on a quand même fait à peu près le taf. On va aller dropper les ATGM là. Je pense qu'ils devraient être morts d'ici qu'on arrive. Allez, petit Humvee. Il faut tirer maintenant. T'es à portée. Excellent. Dans les fesses. Voilà. Très très bien ça. Viens te mettre par là. D'ailleurs, je pense qu'on va plutôt te mettre par là. Là, du coup, on peut réparer. Tu vas venir te mettre ici.
pour couvrir les éventuelles avancées dans le coin là. Voilà. Et on va poser les ATGM probablement dans ce bâtiment de nouveau. Donc là on a un char. Excellent, on avance. On avance. Pas avec toi, vous, vous pouvez réparer au cas où. On avance. Ici on va, je pense, se contenter de couvrir ce flanc là. Déjà 2 minutes de passé, il faut qu'on se bouge. Là on est prêt. Alors est-ce qu'on se prend le risque de faire le tour de l'autre côté du coup? Je pense que ça serait limite presque plus safe. Là on a ce véhicule là qui est plus les renforts. On pourrait commencer à avancer par là. Envoyer la Jeep peut-être en éclaireur. Le MV. Toi. Viens jusqu'ici. Transport blindé là qui arrive en renfort. On retape le striker, donc du coup vous foncez jusqu'ici. On va essayer de passer par l'endroit où c'est un peu plus mou. Allez, on avance. Il y a du monde là. Ok, c'est des bandes bidos. Ça devait être les mecs qui conduisaient. C'est moins grave. Ok, visiblement c'est plutôt calme sur ce flanc. Parfait, ça me va bien. On ici, on garde un lance-grenade, bon, qui n'a pas beaucoup de munitions, mais avec 96 grenades plus lui derrière, ça devrait le faire. On est en train de ramener normalement les ATGM, ils sont où? Jeep, 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 MV tout bidon là, il est où le mot MV tout bidon? C'est toi? Non, c'est pas toi. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Putain! On s'est fait défoncer! Notre Bradley est en train de souffrir en arrière. Ah, les mecs là, ils sont bien placés. Ouh, ah oui, c'est le canon Grande qui nous fait ça là. Ah bah ils sont là nos ATGM. Ok, on va reculer un peu. On va reculer un peu parce que là les mecs ont quitté le... Ah ouais, dans les cratères quoi. Ils ont quitté le MV et ils se sont fait instantanément raser de la planète. Donc on va reculer un peu. Gentiment. Là, il y a un mec qui fait le tour, qui est très bien. Ouais. Je crois que c'était un taux, lui, en plus. Tant pis. Alors ça, c'est de la milice. On devrait aller. On va pouvoir gérer ça. Vous prenez ce bâtiment, vous mettez-vous en position par ici. Allez, là on attend que le transport se pointe. Et du coup ici on va faire une ligne de défense, hein, tant pis. T'as plus de munitions toi, ah, vas-y, recharge. Vous, venez vous placer là, tant qu'à faire, vous allez recharger en même temps. Là, on n'a plus de munitions, merde. Bon, on va attendre que lui bouge. L'artillerie va nous aider clairement sur ce taf. Hein. Là, on est un petit peu dans la douleur, on va dire. Ok, c'est bon, on est prêt à avancer ici. Go. Avancer jusque là, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Faut que les autres côtés se tiennent la défense parce qu'on va se concentrer sur ça. Il faut éliminer les canons avant d'avancer, hein. Clairement là. C'est clairement l'objectif. On
recharge. J'espère qu'ils vont pas nous tirer dessus d'ici parce que là ils nous défoncent. Retapez-moi ce canon là, ce Bradley. Il y a du monde là. Ah putain, des grenados en plus. Stop. Déployez-vous, ça c'est un taux, on s'en fout un peu. Smoke. Voilà. Ah, ok, on a réussi à les gérer. Excellent. Bon, visiblement ils nous ont un petit peu picoté, mais rien de grave. Il n'y a plus qu'une smoke. Waouh waouh waouh, c'est quoi ça? D'où ils sortent? Il y a du renfort qui arrive par là, là. Pas cool ça. Bon, on devrait pouvoir accueillir un peu près ce qui arrive, on va voir. Ici c'est rechargé, ici c'est quasiment rechargé, ici c'est rechargé, ici on voit pas, on va replier, on va aller recharger ça. Il va clairement nous falloir du truc, et du coup là on va envoyer ces fameux mecs qui étaient ici, on va les envoyer là-bas, parce que si on a du renfort qui arrive par derrière, clairement, il va falloir qu'on s'en occupe. Et vous, est-ce que vous auriez pas plus d'intérêt à venir chercher ce MV? Allez, go. Allez, on avance. Ah non, mais pourquoi ils sont sortis eux? Restez dedans. Ah, ils étaient en train de... Merde, ils étaient en train de réparer. Hein. Toi, avance. Allez, on avance jusque là. Ah, il y a du monde là derrière, là, qui arrive, là, en renfort. Notre petit mec tout seul là, il va peut-être un petit peu manger. Ça serait bien un petit... Une petite automitrailleuse. Non, c'est une automitrailleuse anti-char, ça. Toi, viens là. On va récupérer... Toi, le transport blindé, t'es vide. Tu vas venir apporter un peu de puissance de feu... sur ce flanc. Et pareil pour vous, venez par là. J'ai chié d'avoir perdu un véhicule, un taux là. Toi. Il y a un bel alignement, tu vas te mettre une belle route là, tu vas te mettre par là. Si on avance... Oh putain, ils sont combien là? MV, MV, ok très bien, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ah, là, il y a du tir, là. Qu'est-ce qui tire? Du petit bandidos. Enfin, du petit. Du bandidos. C'est pas non plus rien du tout, quoi. Prenez un angle de tir. Waouh, waouh. Il y a les canons qui nous tirent dessus. Putain. La vache. Ok, donc il va falloir qu'on bouge en permanence. Fait chier. Ouh, le moteur qui prend cher. Il faut qu'on répare. Avancer. Ok, on a éliminé des trucs là. Merde, vous sortez. Ouh. Putain, ça pique. Plus de moteur sur ce véhicule là. Là, c'est des... Ah putain, des mecs à canon sans recul. Aïe 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 aïe. Vas-y, lancez un assaut vous. C'est pas nous qui sommes pétés là? Non, c'est bon. Vous, vous prenez ce bâtiment, c'est le véhicule Lato là qui a fait le taf je pense. Ouais, il est en train de recharger. Essayez de trouver un angle par là, choper ça. Ah oui, ça c'est les techniciens. Allez, faut avancer là. Faut bouger. Ça pique. Ça pique, ça pique. Moteur détruit. Ah putain. Tac, tac, tac. Avancer jusqu'au contact. Et ça c'est quoi? Attaquer avec toutes les armes. Ouais. Venez jusqu'ici.
Ouais, ils sont en train de se faire défoncer. Là, il reste un péon. Là, faut avancer. Pourquoi vous réparez? Reconduisez-moi ce véhicule. Là, vous êtes de nouveau dans la course. En avant. Ah putain, c'est ce truc-là là, qui nous tire dessus. Ah, la tour, elle pourrait peut-être s'en occuper, mais malheureusement, elle se fait allumer la tronche. Oh, il y en a plusieurs. Ouais, donc faut qu'on avance. C'est tellement tendu, quoi. Tellement, tellement tendu. Ici, on couvre. Avec ce qu'on peut. C'est-à-dire un peu de mitrailleuse, un peu d'ATGM. Ici, on tient notre ligne également. Là, toi, recharge-moi cette artillerie, histoire qu'elle allume un petit peu les bâtiments. Allez, tourne, tourne, tourne. Ah putain, moteur endommagé. Ah, fais chier, il y a un max de monde. Il y a un max de monde qui arrive. Faut se bouger. Alors là, au moins, on arrive à les gérer un peu. Ça les occupe. Il y a encore du monde devant, là. Attends, c'est de la milice. Essaye de te coller un peu plus par là. Le striker. Je peux pas balancer le fumigène pour le moment. Vas-y, viens là. Là, viens là. Ici, il faut reprendre le véhicule, là. Vous pouvez tirer. Allez, tirez-moi sur ça. Putain, vous pouvez pas tirer. Si, ça y est. Tirez. En feu. Parfait. Bon, faudrait réussir à choper celui qui est par là, maintenant. Ça, c'est des francs-tireurs, des grenadéros. Non, il y a du monde. Il y a tellement de monde. Attention. Au moins, on en a foutu, on en a détruit un. C'est toujours ça de pris. Sur le reste des flancs, ça se passe comment? Là, on a un taux excellent. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont là? Ah oui, ils allaient chercher le véhicule. Le transport blindé, il assure que on couvre les arrières à peu près. Parfait. Ah, j'avais pas vu, mais ils sont déployés en fait. Ok, bah vous, venez vous retaper un peu là. Merde, le transport blindé il prend cher là. Faut passer devant là. Y'a pas moyen d'avoir une vision si toi t'avances genre jusque là. Pareil, la milice, avancez par là, donnez-moi de la vision. Si on peut balancer un taux sur l'enfoiré qui nous allume là. Perte enregistrée en feu. Ah merde, on est en train de perdre les ingés là. Au sol. Au sol. Au sol. Celui-là il est en flamme. Vous au sol. Ça y est, on l'a vu. Non! Rate-le pas, putain! Je peux pas te permettre de le rater, là. Ok, faut qu'on recule, là. T'as plus de moteur, tu peux plus reculer. Bah écoute, on va avancer avec ça, tant pis. Alors, est-ce qu'on a été un peu trop présomptueux? Je ne sais pas. On va amener un lance-grenade en renfort. Allez, recharge, chope-le, défonce-le s'il te plaît. Ah putain, il tire vite en plus ce con. Oui! Excellent. Ça, ça va nous donner de l'air, ça. Là, on devrait être capable de bien nettoyer. Merde, il est en flamme.
Il est en flamme. Tournez-vous, vous. On n'a plus de mitrailleuse lente, du coup, vous au sol. Là, il y a du Granaderos, franc-tireur, la milice. Essayez de vous faire les francs-tireurs, c'est les plus dangereux. Là, on va réparer. Les plus dangereux, c'est eux, là. Ok, c'est géré. Il reste plus de la milice à la con. Là, il y a du bandidos, mais ça devrait aller. Ça, c'est toujours en flamme. Qui c'est qui a neutralisé le pilote là? Il doit y avoir du snipe encore, putain. Je peux plus conduire! What? Ah! Sans déconner! Il y a un enfoiré carré qui sont. Et des enfoirés qui sont arrivés par derrière. Bordel. Sortez et shootez-les. En avant vous, relevez-vous, tant pis, vous courez au milieu de la des tirs. Ah putain, ils nous ont détruit le véhicule quoi. Saloperie. Ah, alors ça c'est pas cool. On a perdu notre anti-tank. Bon, il était vide. Mais c'est quand même pas cool. Ok. Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à repousser un peu l'ennemi? Là, du coup... Pour remonter dedans, pour reprendre l'offensive. Parce que maintenant, on a une nouvelle mitrailleuse. Voilà, excellent. On va pouvoir allumer un peu plus. On peut tirer, là. Ouais, on peut tirer. On a une roue qui se balade. On tire pas, putain. Pas tirer. Là, c'est plus en flamme. Remonter dedans. Bon, bah, là, du coup, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est sortir les rangers et mettre eux à la place. Et vous, on vous laisse en position, là. Après, on peut aussi s'en foutre et avancer. Hein. Réparer un peu tout ça. Et avancer, ce serait pas mal. Sur les autres flancs, pour l'instant, on est bien. On est bien. On va dire qu'on tient. Ici, on est malheureusement pas capable d'attaquer quoi que ce soit. Il nous reste plus que 7 minutes, mais 7 minutes, ça se fait quand même. On est resté immobilisé un petit peu trop longtemps, on va commencer à avancer. On a bientôt plus de place de rechange ici. Ça c'est la loose. Et ici... Ok, on va essayer de sortir des angles de tir, avancer. Oh la vache, vitesse quoi. Vous avec vos fusils d'assaut là, occupez-les. Ok, ici c'est parti, on repart. Il y a un véhicule là. Un véhicule. On a plus notre anti-véhicule malheureusement. On va y aller tant pis au, au lance-grenade et le striker, on peut plus quoi. Ah, il y a du monde là, ok, faut pas qu'on reste là. Avancer. On s'arrête pas, on avance jusque là-bas. Pareil pour toi. T'avances jusque là-bas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer? Oh, c'est des snipes, donc ils peuvent être relous.
Allez, on y est presque là. On commence à se faire tirer dessus là. Je vois des trucs qui nous tirent dessus. Oh non, des ATGM, putain. Tout le monde dehors. Non, faut tirer sur ça là. C'est ça le vrai problème là. À terre. À terre. À terre. Smoke. Oh putain. Ok, c'est la mort. Oh, ils ont réussi à choper un mec là. Excellent. Oh putain. La mitrailleuse à plasma. Bon, c'est la merde, c'est la mort avec les ingénieurs. Je vois pas comment pouvoir passer ça, c'est des troupes d'élite. Peut-être si lui il arrive, le striker et tout arrive suffisamment vite. Là c'est des rangers, on va les sortir, ils seront plus efficaces en dehors en fait. Heureusement on a les... Ah putain, on a plus de grenades frag avec eux. Oh la vache, c'est le drame. Vas-y, de là où t'es, tu peux tirer normalement. Balance tout ce que tu peux comme grenade. On va saturer ça de smoke là. On a détruit le châssis, c'est pas l'idéal on va dire. Il a pris de l'autre sniper. Ok, on a réussi à gérer le MV, c'est déjà ça. Et bah du coup, on va s'arrêter sur un petit cliffhanger. On va reculer les deux qu'on est censé défendre et on va essayer de passer cette petite séquence. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour voir si on a survécu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.